Attention à Gauthier de Tessier. Attention à lui parce qu'il n'a rien à perdre. Donc il peut vraiment tout tenter aujourd'hui. Et pourquoi pas créer la surprise. Allez, les Français habillés d'une nouvelle combinaison. On l'a vu hier. Alors non, c'est pas Andrew Weybrech, ça on peut vous le certifier. C'est bien Gauthier de Tessier qui est en piste. Allez Gauthier. Voilà, bien c'est actif sur le moment de terrain. Ça c'est bien skié. De la légèreté pour l'instant Gauthier. Attention, pas trop bas ici. Ouais, pour l'instant c'est correct. Oui, 4 oui, dixièmes d'avance. Dixièmes d'avance. C'est bon pour ça. Gauthier. Voilà, là il saisit sa chance. Là c'est un gros rythme qu'il imprime, hein, Gauthier. Ouais, c'est, ouais, c'est excellent. Hein. Gauthier, voilà, quand il n'a pas de pression, quand il arrive comme ça, c'est là où il est le plus dangereux. Attention à lui, c'est et excellent. Là, et là il se libère sur les mouvements de terrain. Il est bon, Gauthier. Changement d'appui. Il prend sa chance, Gauthier. C'est bien. Attention, un petit peu à contre-temps ici, mais il y a beaucoup de vitesse dans son ski. Oui, ça c'est bien ouais. Négocié. Beaucoup de hauteur. Il est très haut. Allez, Gauthier, l'intermédiaire. Ouais, 8 dixièmes d'avance sur Alexis Paturo. Ouais, 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 c'est bon ça, Gauthier. Là, il est vraiment actif sur son ski. Et il est haut en plus. Il est haut et on voit que ses entrées de courbe sont décidées hein, par rapport à Alexis. Le contraste est flagrant. On rentre dans le mur maintenant, Gauthier. Il est un peu large ici, c'est pas grave. Allez, là, il faut tout lâcher. Tout lâcher sur le bas, garder beaucoup de hauteur ici, c'est excellent. Allez, il relâche suffisamment tôt les skis pour prendre de la vitesse. Gauthier de Tessier à l'arrivée. C'est une course pleine pour Gauthier. Ouais, 80 centièmes d'avance pour le skieur de l'Alpe d'Huez. Ben voilà Gauthier c'est voilà. C'est excellent. Sans pression, c'est là où il est le plus dangereux. Attention à Gauthier aujourd'hui. Attention à lui. Il est rentré dans ses mondiaux, Jean-Pierre, il y a quoi? Il y a 48 heures à peine. Ouais, mais bon, ça lui a réussi. Tout simplement. Et c'est vrai que Gauthier, voilà, c'est quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles. Hein. C'est vrai qu'il s'est beaucoup blessé. Il a eu vraiment des moments très difficiles dans sa carrière. Et puis c'est vrai que cette non-sélection, ça a été très, très, très dur à vivre pour lui, parce que c'est vrai qu'il avait deux top 10 quand même. Oui, en géant et en super G. Voilà, et c'est vrai qu'il n'était pas sur les listes. Et quand on lui a annoncé qu'il allait remplacer son copain Yo, c'est vrai que ça a été difficile pour lui dans un premier temps, parce que Yo, il le connaît bien.